ça bosse pour le pétrole. Les valeurs sûres, moi j'y crois plus. L'amour total, tout est perdu. Si tu t'en sors, c'est que t'as du bol. Nos pauvres vies sont en péril. On dépend tous d'un petit marché où nos tomates vendent en baril. Le démocrate de l'autre mer exécute l'homme à tout bout de champ. J'ai pas de modèle mathématique concernant les dates de concert. En fait, j'ai un public qui est différent chaque soir, donc on s'imprègne de ses émotions, de ses envies. Et puis bon, bah, j'essaye de partager un petit peu les thématiques de mes deux, j'aime bien, je vais dire, différents albums. Ça fait genre j'en ai plein, j'en ai que deux. Et donc ça me permet surtout de pouvoir un petit peu prendre la température de notre jolie petite société française. Donc c'est un peu différent chaque soir. Je voterais pour ceux qui votent la vie plutôt pour ceux qui foutent la merde. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout, je pense, dans un concert. Il faut qu'il y ait un côté assez festif. Mais le festif ne doit pas être festif pour être festif, en fait. Je crois qu'il y a de réelles difficultés dans notre société. Il faut en discuter. Alors, je fais pas de politique outre mesure que ça. Donc, j'ai des solutions à très court terme, mais vraiment des solutions de proximité. Parce que finalement, j'essaye de faire vivre une fraternité quasi disparue, au moins dans une salle de concert. Après, le reste tout autour de la salle de concert, c'est malheureusement pas mon problème, mais ça devrait être le problème de quelques autres. Donc je pense qu'en fonction en fonction des villes, en fonction des gens, on essaie de donner un concert qui soit à l'image de nos idées et à l'image de nos ambitions pour notre cher pays. Vote la vie plutôt que c'est fou. Violeur de terre. Violeur de terre. Écrire, c'est... Enfin, moi, je le définis comme ça, c'est quand même une certaine souffrance. J'ai du mal, hein, quand on me demande encore si je suis heureux, en fait, de ce qui m'arrive. Alors oui, bien sûr, en tant que, je dirais, du haut de mon petit statut d'artiste, ouais, bien sûr, je peux être super content et tout. Ça file la banane à mes parents, ils sont super ravis. Mais c'est assez, psychologiquement, c'est assez difficile à assumer, le fait de, je dirais, entre guillemets, de réussir avec des thématiques qui sont difficiles. Donc c'est psychologiquement, c'est quelque chose de très difficile à digérer au quotidien. Et c'est sûr que le concert, je m'appuie là-dessus parce que j'ai besoin aussi, moi, de faire la fête avec en traitant de certaines thématiques difficiles, que ce soit le mal-être dans notre société. Je pense que on est en train de fuir tranquillement l'être de nos âmes pour aller cultiver le mythe du paraître. Donc non, je peux pas me sentir complètement heureux, non. Non, je ne pense pas. Donc à la fin, après les concerts, j'ai plus envie d'en parler, j'ai envie de faire la brinde. Plutôt que pour ceux qui font de la merde. Pour en revenir à Brassens, c'est quand même de loin, pour moi en tout cas, la plus belle plume de France. C'est pour multiples raisons, pas que pour une raison artistique. Je crois qu'il y a une volonté profonde de véhiculer des messages qui sont parfois contre-tendance. Je pense à des thèmes comme le racisme. Brassens l'a traité depuis belle lurette, et il l'a fait à merveille, et puis il l'a jamais fait dans la complainte.
C'est ça que j'aime vraiment chez lui. Il a toujours une écriture avec plusieurs degrés. On a forcément tous un talent, sinon ce serait vraiment dramatique. On a un don de quelque chose, et puis faut le rendre productif. Faut vivre avec et faire en sorte que même si on a du mal à se reconnaître un petit peu dans le, je dirais, l'écosystème général politiquement parlant, il faut se reconnaître au moins chez soi et au moins dans la proximité, parce que je continue peut-être de manière très très infantile à penser que c'est à côté de nous que les choses se passent. Je voterai pour ceux qui votent la vie, je voterai pour ceux qui s'aiment. Merci.